Cher Laurent Casey, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, ça Alors, je suis très heureux aujourd'hui de t'interviewer pour Nice Fiction, pour cette édition de Nice Fiction qui est entièrement en ligne, et donc 100% virtuelle, où on va parler de ton parcours, cher ami. Et le thème du festival étant le thème reboot, on va voir combien de reboots tu as connus, peut-être tu en as connu plus que je n'imagine, dans ta carrière. Alors, ta carrière qui est quand même, cher Laurent, très multiple, puisque auteur évidemment de fiction, auteur d'essais, traducteur, scénariste de bande dessinée, et j'en passe, chroniqueur aussi et musicien par ailleurs. Donc voilà, beaucoup de choses, beaucoup de cordes à ton arc et beaucoup de flèches dans ton carquois. Alors, ce que je te propose, j'ai préparé une petite frise chronologique, et donc on va essayer de partir de la fin et puis de remonter le temps. C'est-à-dire, en fait, en gros, ce que je te propose, Laurent, c'est de partir de William Gibson, que tu vas retraduire, que tu as retraduit pour Le Diable Vauvert, et on remontera jusqu'à Sense of Wonder, dont nous parlerons tout à l'heure. Est-ce que le programme te convient? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, partons d'abord sur William Gibson et sur Nos Romanceurs, comme on voit ici à l'écran. Alors, tu es traducteur depuis combien d'années maintenant? Et 20 ans, 20 ans. 20 ans, hein, minimum. Dis-moi, tu as commencé à traduire avant d'écrire de la fiction, ou tu as quand même commencé par de la fiction avant de traduire? Non, j'ai écrit avant les nouvelles, avant de commencer à traduire. D'accord. Tu te rappelles quelle est ta première traduction, la première traduction que tu as faite? Je T'en crois que souviens? j'ai traduit C'était une BD, un roman, une nouvelle peut-être? Je crois que c'était un essai, un article pour les moutons électriques, pour le guide du merveilleux et de la fantaisie. Ah oui, pour le guide du merveilleux de la fantaisie Ouais, ouais. d'André-François Ruault, dans lequel. Oui, tout à Ouais, fait. ouais. Très bien. Alors, te voilà donc au bout de toutes ces années, traducteur, responsable de la traduction de Nos Romanciens, qui devrait faire date en plus, la réédition de Nos Romanceurs de William Gibson, roman de 1984, si je ne m'abuse pas. Donc, au Diable Vauvert. Alors, comment tu as abordé cet enjeu de traduction, et indirectement, quel est ton rapport au cyberpunk? Dis-moi un petit peu. Mon rapport au cyberpunk, c'est pas, je suis pas un idolâtre du genre en soi, qui est pour moi très localisé, et dans le temps et dans un lieu, quoi. C'est vraiment un épiphénomène de la SF qui a duré de 84 à 86, 87, encore. Voilà quoi, ça va de Nos Romanciens à Annie Stephenson Ouais, et début des voilà. années 90, quoi, on va dire. Ouais. C'est un sous-genre de la SF qui me plaît beaucoup, mais voilà, c'est William Gibson que j'adore vraiment, et donc j'ai traduit son avant-dernier roman, voilà, qui vient de sortir là, au Diable Vauvert. Et puis Marion du Diable Vauvert m'a proposé de retraduire Nos Romanciens parce qu'il avait déjà été traduit en 85. Oui, c'était Jean Bonnefoy, je crois, non? Voilà. Ouais. Et le bouquin n'est pas trop disponible, visiblement. Il est un peu. C'est un bouquin qui n'a pas. Enfin, à mes yeux, hein, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à Gibson, sous ces mondes virtuels qui me passionnaient, tu vois, vers l'adolescence, on ne trouvait pas facilement ce bouquin. Il était sorti à la découverte en grand format, puis Ouais. repris en poche chez J'ai lu, mais Ouais. voilà, c'était pas. C'était, tu t'allais dans n'importe quelle maison de la presse dans les années 80-90, tu trouvais Fondation, Les Robots, Dune, mais Nos Romanciens, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu le destin qu'il a eu aux États-Unis, en France, quoi. Il a été un peu. Oui, c'est vrai que sans doute le cyberpunk a été moins impactant en France. En tout Ouais. cas, ça a été tout de suite considéré un petit peu comme une sous-catégorie de SF. Alors, c'est quand même fou parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est les tenants du transhumanisme, le cyberpunk revient en force. Donc,
40 ans plus tard, hein, puisqu'on est en 2020, on retrouve un peu tous les grands pontes du cyberpunk, Gibson, Sterling, Walter, John Williams et beaucoup d'autres. Folio avait même réédité, voire réédité hein, plusieurs fois l'anthologie manifeste, donc Mozart en verre miroir. Alors, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées qu'est-ce qu'il s'agissait de faire au fond en retraduisant Gibson, il fallait quoi ? Actualiser les termes techniques du réseau, trouver plus de crédibilité dans les descriptions des scènes en réalité virtuelle. C'était quoi la difficulté pour toi principale en tant que traducteur ? Alors non, tu peux pas actualiser parce que le livre il date de 84 et tu peux pas tricher là-dessus. Il y avait d'un côté, il fallait le traduire avec ce qu'on sait maintenant de la technologie, et de l'autre, il fallait le traduire avec ce qu'on imaginait à l'époque de la technologie. Donc, il y avait ce double. En fait, il y a des trucs qui sont réalisés dans le bouquin et d'autres qui ne sont pas réalisés. Ouais. Et donc, les trucs qui sont réalisés, il faut utiliser les termes avec lesquels ça s'est réalisé. Quoi. Voilà, c'est ça le problème. Ouais, on change les termes quand même un petit peu. Quoi. Ouais. Ouais. Après. Ça, c'était qu'une petite partie du travail. Le plus gros, c'était quand même la langue de Gibson qu'il fallait. Voilà, c'est un style assez particulier que j'aurais du mal à décrire, mais qui est un peu très, très. Qui vise l'efficacité, quoi. Et encore, dans ce roman-là, puisque j'avais déjà traduit et je suis encore en train de traduire un de ses derniers romans. Il est encore en train de se chercher dans nos romanciens et il teste des trucs, il en met un peu trop. C'était hyper dense. C'était ça. C'est vraiment très très dense. C'est plein d'idées, c'est bourré d'idées du coup. Et si vraiment on le lit en se replaçant dans le contexte de l'époque, on se rend compte à quel point c'est révolutionnaire. Enfin, je veux dire, il a inventé le monde d'aujourd'hui, quoi. Il y a d'ailleurs une préface là, donc dans l'édition qui va être publiée au Dialogue Ouvert, il y a une postface de Jack Umack, auteur de Journal de nuit, entre autres, le lycée, qui est un pote de Gibson et qui explique que Gibson, il a inventé, en fait, le cyberespace, quoi, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Là, si on peut parler, toi et moi, sur Zoom maintenant, c'est parce que Gibson a postulé ce truc, tu vois, et que des gens l'ont lu et se sont dit, ah, mais ouais, ce serait dément si on pouvait aller dans le cyberespace. Voilà. Ouais, alors évidemment, le monde virtuel qu'il décrit, il n'est pas du tout comme ça. C'est pas un monde avec des grilles et des trucs comme on le voit d'ailleurs sur la couve, tu vois. C'est assez, ça ressemble à ça, quoi. Ça ressemble plus à Tron que. Ouais, ça fait Tron, ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est la première couve, hein, je crois. Ouais, c'est la couve au moment de la sortie, voilà. Il est sorti dans une édition de poche, hein, quand même. C'est hallucinant. Quand tu penses, personne n'entendait rien, quoi. Il avait écrit deux, trois nouvelles chouettes, mais voilà, c'est. C'est la révolution dans le caniveau, tu sais, c'est ça aussi qui est génial, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est vrai que pour moi, c'est un bouquin, vraiment, c'est émouvant parce que c'est patrimonial. C'est-à-dire que quelque part, ça remet entre les mains d'une nouvelle génération de lecteurs un bouquin qui a été fondateur, qui avait sans doute pris un petit coup de vieux et qui, de nouveau, va être lu. Mais en réalité, je suis sûr qu'il reste encore extrêmement, extrêmement actuel. J'ai hâte de regarder attentivement cette nouvelle trad. Est-ce que ça a été la trad la plus difficile que tu as eu à faire ou pas forcément, non ? Alors, c'est difficile de répondre parce que difficile, ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que je me suis éclaté à la faire. Donc, non. Alors oui, c'est difficile. C'est pas facile. Mais voilà, quand je traduisais des trucs de fantasy qui ne me plaisaient pas du tout, là c'est plus… C'est beaucoup plus facile, mais pour moi c'est beaucoup plus difficile. Traduire, c'est résoudre des problèmes et c'est faire un puzzle, quoi. Et quand tu trouves la solution, c'est super. Donc c'est pas non plus hyper compliqué. Alors j'aurais pas aimé le traduire à l'époque, hein. Ça devait pas être la même parce que il y avait pas internet, il y avait pas toutes les ressources auxquelles on a. Gibson avait fait des recherches quand même, donc il y avait des choses. Et le traducteur à l'époque avait dû faire pas mal de recherches aussi, mais il avait pas les moyens qu'on a maintenant. Donc voilà. Ouais. Je suis content de l'avoir traduit maintenant et pas en 84.
pas, ouais. Oui, alors quand je disais difficile, effectivement, c'est aussi l'exaltation. Alors justement, puisqu'on est parti sur les trads, parmi les traductions, il y a pas mal de choses que tu as faites. Je suis en train de remonter la timeline. Alors par exemple, tu as traduit la trilogie d'Alastair Reynolds. Donc on va rester un peu sur la trad. Alors moi, c'est une trilogie que j'ai découverte grâce à toi, puisque moi j'aime bien lire en français. Je ne suis pas très, très fanat en fait, des livres en VO, en tout cas, où je suis peut-être pas assez, j'apprécie pas assez en tout cas. Donc j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ta trad sur cette trilogie-là. Alors est-ce que ça a été justement une trad intéressante, en tout cas captivante pour toi, Alastair Reynolds, ou pas? Ouais, ouais, parce que tu es pris dans le souffle du récit, là, c'est vraiment de l'aventure spatiale. Ça pose pas de difficultés particulières, à part sur certains points très techniques, mais pareil, tu peux te renseigner. Voilà, je connais assez de scientifiques pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes si j'ai besoin. Et non, après, voilà, tu es emporté par le souffle. T'as pas de problème de style parce que c'est plutôt fonctionnel, quoi. Donc voilà, c'est ça va plus vite que traduire du Gibson, sans doute, quoi. Mais ouais, j'imagine, c'est beaucoup plus, beaucoup plus direct. Alors, ouais. Du coup, j'ai envie de te poser une question avant de continuer sur les trades. Est-ce que, parce que ça prend énormément de temps, une trad, hein, évidemment, dans ton parcours et dans ton temps, ce temps que tu passes dans ton bureau, c'est quoi le pourcentage de ton travail qui est consacré à la traduction, Laurent? Je veux dire, tu es auteur, scénariste aussi, mais tu dirais que la traduction, c'est quoi en termes de pourcentage? C'est quoi? C'est 50% de ton temps de travail, plus? Ça dépend des périodes. Combien ouais, ça dépend d'accord. Des périodes. C'est de moins en moins, en fait. D'accord. L'année dernière, je pense que c'était à peine 50%. J'ai vraiment. J'ai écrit un script de film, j'ai écrit des projets BD, j'ai écrit un roman, une nouvelle. Enfin, voilà. Donc, non, l'année dernière, c'était vraiment. Cette année-là, là, je suis en plein de trad, donc voilà. Mais jusqu'au confinement, je traduisais quasiment pas. Donc voilà, c'est de moins en moins. Disons que là, je fais un roman par an à peu près en traduction et pas mal de BD à côté. Mais ça dépend des périodes. Les BD, c'est des grosses bourses. Tu veux, on t'envoie 12 épisodes à faire en un mois ou deux. Et puis parfois, tu n'en as pas 2-3 mois. Et puis enfin voilà, ça dépend. J'alterne assez. Donc, comme j'ai plus de travail d'écriture par ailleurs, je traduis moins en fait, et je me permets d'être plus de choisir mieux ce que je veux traduire ou pas. Alors justement, à propos de ce que tu veux traduire, il y a aussi la traduction des chroniques de Dragonlance. Tout à l'heure, tu évoquais un peu la fantasy. C'est quoi? C'était plutôt une traduction, je dirais. Nécessaire au niveau financier, on va dire. Alimentaire, ouais, c'est alimentaire. Ça. Ouais, t'as pas eu vraiment, pas du tout de coup de cœur pour cet univers-là. T'es pas du tout de l'univers du jeu de rôle, toi, Laurent? Alors, ça m'intéresse de plus en plus, étrangement. J'en fais ma crise d'adolescence, là. Ouais. Mais si, ça m'a toujours passionné, le jeu de rôle, ça m'a toujours fasciné. J'ai jamais vraiment pratiqué à l'âge où il aurait fallu, si tu veux. J'en ai fait un ou deux, mais. J'ai pas été à cette école-là, comme l'ont été pas mal d'autres auteurs de notre génération. Mais moi, c'est les univers de fantasy Donjons et Dragons qui m'intéressent pas forcément beaucoup. Même le Seigneur des Anneaux, c'est pas du tout ma cam. Donc, ouais, bon, c'était pas désagréable à faire. Hein. J'ai traduit bien pire, mais voilà, c'était pas. Ok. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui adorent cette série et qui ça leur rappelle vachement de souvenirs parce qu'ils l'ont lu à dos dans des petites collections de poche. Et là, c'était une retrade aussi, mais là, c'était la première fois que c'était traduit intégralement parce qu'ils avaient sabré dans la première version pas mal de. Voilà, un tiers du bouquin. Donc, ouais, on va pas s'éterniser sur ça, mais. C'est pas très intéressant, mais enfin, ça m'amuse de savoir que tu te mets au jeu de rôle. Donc, si tu as envie, on a créé sur Nice un groupe de joueurs qui s'appelle les Compagnons de la Tour Maudite, tu vois. Donc, tu me feras signe et peut-être on jouera ensemble à avec plaisir. Ouais, je continue sur les trades et peut-être sur un truc là pour le compte qui est beaucoup plus Casey-like ou en tout cas Casey-like. Ah, carrément.
C'est donc All Star Superman de Garrett Morrison. Alors, Grant Morrison. Ouais. Désolé, tu vois. Alors ça, tu peux m'en parler. Ça, c'est par contre coup de cœur, j'imagine. On est en plein dans ton univers. Alors ben ouais, Grant Morrison, c'est un de mes auteurs préférés, un de mes scénaristes préférés avec Moore. D'ailleurs, Alan Moore et lui, ils se détestent cordialement. C'est des magiciens tous les deux. D'accord. Voilà. Je te conseille, il y a une vidéo sur YouTube des mecs qui ont mis en scène un combat entre le barbu Alan Moore et le chauve Grant Morrison façon Kamehameha, c'est assez rigolo. Bref, c'est un de mes scénaristes préférés, un écossais. J'adore vraiment ses séries, Les Invisibles, Doom Patrol, Animal Man. Ouais. Il a fait des runs sur Batman aussi, les X-Men, c'était formidable. Et cette série, donc, c'est 12 épisodes qui racontent le moment où Superman découvre qu'il va mourir. Et les 12 travaux un peu de Superman avant de mourir, quoi. Et c'est le Superman solaire comme on aimerait le voir plus souvent et pas en faire une espèce de sous Batman, quoi, tu vois. Voilà, c'est comment on veut vraiment traiter le mythe. Morrison raconte qu'il était une convention de comics à San Diego et qu'il y a un mec déguisé en Superman qui s'est assis à côté de lui sur des marches devant le Palais des Congrès, dans la position qu'on voit là sur la couverture. Mmh. Et il s'est dit, putain, mais c'est ça Superman, en fait. Quand il se détend, c'est un mec comme un autre. Il n'est pas toujours les bras croisés comme ça. Voilà, moi, donc Morrison s'est dit, il faut écrire sur ce Superman, en fait. Mmh. Et c'est ça. Donc, ouais, ça, c'est... Donc, je traduis Superman... les séries régulières donc qui se passent tous les mois pour Urban et puis ponctuellement sur d'autres projets à part je fais d'autres trades aussi là je fais un truc pardon mon téléphone sonne vas-y. Je fais un truc alors j'ai pas encore le droit d'en parler, on m'a pas donné le feu vert, mais voilà, une de mes BD préférées. Donc, j'en reparlerai le moment venu. D'accord, je peux pas ça marche. Prendre. Et tu disais l'opposition entre le chauve et le barbu, entre Grant Morrison et Alan Moore, dont on va parler évidemment. Est-ce que toi, tu mets une opposition dans cet univers de comics avec lequel tu as grandi, moi aussi, hein, évidemment. Est-ce que tu fais partie de ceux qui mettent une opposition entre DC Comics et Marvel? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est stérile? Parce que je sais que tu lisais Strange quand tu étais jeune aussi. Est-ce que tu as eu l'occasion de traduire du Marvel, peut-être, je sais pas. Un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu. Même sous pseudo, ouais. Pseudo, d'accord. Ouais. Non, bah, oui, il y a des différences. Il y a des différences, évidemment, dans les deux. Chez DC, c'est beaucoup plus mythologique, y a une ampleur plus mythique. Chez Marvel, c'est plus les héros du quotidien. Bon, évidemment, pas tort, mais tu vois, c'est la différence entre Spider-Man qui est le gamin des rues et Superman qui est le dieu, quoi. Moi je trouve du plaisir dans les deux. C'est pas encore une fois, c'est pas les personnages qui comptent, c'est ce que les auteurs en font, quoi. Ouais. Et la réinvention graphique aussi Ok, donc ça c'est de la trad, c'est bonnard, quoi. Ça c'est de la trad comme tu l'aimes. Et donc on a bien compris William Gibson et Superman plutôt que Tracy Weissman, plutôt que Dragonhead. Ouais, ouais. Ok, ça roule. Ouais, j'ai fait pas mal d'autres BD de Grant Morrison aussi, ouais, Flex Mentallo, Seven Soldiers, j'en ai fait pas mal. Bon, cool. Et puis entre les deux, donc il y a quand même Alastair Reynolds que tu nous as évoqué comme plutôt une bonne expérience. Ah ouais, non, j'aime beaucoup, hein, c'est super. D'accord. Bon, toutes ces trades, donc évidemment, font partie de ton travail. Tu nous as dit le temps que ça te prenait. Donc on pourrait encore évoquer peut-être quelques trades. Il me semble que tu avais traduit, je remonte le temps. Tu avais traduit aussi, voilà, c'est là, je l'ai, un essai sur, on va parler de Dick, hein, bien sûr, après. Tu as également traduit un essai donc de Kim Stanley Robinson sur les romans de Philip K. Dick au Mouton électrique. Ce sera notre dernière excursion dans les trades. Est-ce que cette trade d'essai, c'était une bonne expérience? C'était plus par rapport à ta passion pour Dick, qu'on connaît bien et dont on va reparler. Quel souvenir tu gardes de cette traduction de l'essai de Kim Stanley Robinson? C'était le premier vrai bouquin que j'ai traduit. C'était j'ai appris, quoi. Après, c'est pas facile de traduire un essai, donc
Donc voilà, j'ai appris que c'est loin d'être mon meilleur boulot sans doute, mais bon, il faut en passer par là. Mais c'était DIC, donc c'était encore un truc oui. technique, mais ok. Allez, alors maintenant, on repart vers la fin, on revient vers, tu vois, on remonte le temps avec cette frise, hop, et on va s'arrêter sur un truc vachement sympa, donc qui sort la semaine prochaine. Ouais. Le guide Alan Moore avec Nicolas Trespalet. Mmh. Un pote à toi. Alors, ce guide, c'est quoi ? Vas-y, explique-nous. Je sais que c'est l'aboutissement de ta passion pour Alan Moore depuis près de 20 ans, même plus sans doute. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce guide pour ActuSF ? Comment tu l'as abordé, ce travail, pour le compte, là, plus du tout de traducteur, mais d'essayiste en réalité ? Ouais. Ben, en fait, c'est une collection qui existe déjà chez ActuSF. Il y a eu sur Lovecraft, il y a Étienne Barrier qui a fait sur Philip K. Dick, il y a eu Patrice Winney sur Ward. Voilà, ils prennent un auteur c'est une espèce d'introduction pour les gens qui voudraient s'immerger dans l'œuvre d'un auteur. Et donc, Jérôme Vincent m'a proposé de faire le guide Alan Moore sur le même principe que ceux déjà publiés. Et vu les délais de fou qu'il me proposait, il m'a dit si tu veux, tu peux demander à un camarade de t'aider. Et donc j'ai pensé à Nico tout de suite. Je lui ai proposé, il m'a dit ok. On est parti. On savait à peu près chacun ce que l'autre aimait dans l'œuvre de Moore, et on avait des affections plus particulières pour certaines parties de l'œuvre. Donc on s'est partagé le boulot et on a suivi le plus ou moins le schéma des autres guides, en fait, avec une biographie, 20 œuvres essentielles, quelques œuvres en plus, et puis à la fin, une espèce de pas un dictionnaire, mais une série d'articles sur des thématiques qui concernent Moore, quoi. Je sais pas, Northampton, la magie, la drogue. Donc, c'est une ouverture à Moore. Je pense que quand tu lis ça, tu as un bon point de vue global sur lui et son œuvre. Et j'espère que quand même, la personne qui connaît un peu et qui en a lu pas mal va quand même apprendre quelque chose. On a fait des petites analyses aussi sur les œuvres. Nous, on s'est pas privé de donner notre avis. Donc, j'espère qu'il y en a pour tout le monde, quoi. Ouais. Alors, tu avais commencé ta première intervention sur Moore, enfin du point de vue en tant qu'essayiste, sauf erreur de ma part, c'était à Nice. C'était en 2005, ouais. au colloque international de science-fiction de Nice, 5e édition. D'ailleurs, on attend toujours, on rêve toujours de la 6e, avec certains copains et certaines personnes. Et tu étais intervenu, tu étais plus jeune à l'époque, comme moi aussi d'ailleurs, et tu étais intervenu sur Watchmen, justement. Tu t'en souviens ? Ouais. À l'époque, c'était pas très connu encore. J'y pensais l'autre jour parce que tu sais que quand j'ai voulu faire mon DEA puis ma thèse, il fallait trouver un sujet de DEA que tu développes en thèse après. Ouais. Et moi, j'avais proposé comme premier sujet, c'était Watchmen, quoi. Et on m'avait, mon directeur de recherche m'avait dit non, c'est compliqué, ça va pas passer. Là, on était en 98-99. Et quand maintenant je vois qu'il y a des tests sur Buffy et sur les séries télé, je suis j'ai en même temps les boules et je suis content pour ceux de maintenant, mais je me dis mince, à 10 ans près j'aurais pu faire les trucs que je voulais, voilà. Et ouais, donc, aussi, donc les choses évoluent plutôt dans le bon sens, quoi. Donc, c'est le temps a passé et maintenant on peut faire des choses qu'on faisait pas à l'époque, mais on a fait partie justement de ces étapes là justement. Alors je regarde la couve là du guide Alan Moore. Alors je suis désolé d'étaler l'ignorance crasse en termes d'Alan Moore, mais du coup je savais pas mal de choses sur Moore, mais en tout cas pas du tout, et je m'excuse d'avance, qu'il avait travaillé sur Doctor Who. Il a bossé sur Doctor Who. Il a fait des histoires courtes de BD dans le Doctor Who magazine, ouais. D'accord, mais pas des scénars d'épisodes aussi. Non. Ah ouais. Parce que quand même, l'esprit de Doctor Who, c'est pas tout à fait l'esprit d'Alan Moore, donc il a dû le subvertir, j'imagine. Il sait faire de l'alimentaire quand il faut, enfin, se fondre dans les trucs, ouais. Grant Morrison aussi a écrit du Doctor Who d'ailleurs. Ouais. D'accord, donc Grant Morrison. Et t'avais pu échanger avec Grant Morrison, avec Alan Moore, enfin, t'as eu l'occasion de. Alors, Morrison, non, et Alan Moore, oui, je l'ai interviewé, c'est 2006, je crois.
pour la sortie du Lézard hypothétique qui était chez Les Moutons à l'époque et qui ressort là chez QSF. D'accord. Et donc, on avait fait en postface, on avait mis cette interview et on l'a remise dans le guide là. À la fin du guide, il y a l'interview d'époque en fait, qui retrace en fait. On avait fait une bonne heure et demie d'interview au téléphone et on avait parlé un peu de toute sa carrière. C'était assez sympa. Cool. Tu vas lui envoyer, je sais pas, il lit peut-être pas, mais tu vas lui envoyer le guide. Tu vas lui. Ouais. Ben, je pourquoi pas. Je sais pas si je pense pas qu'il lise le français, mais. Ça me mais fait il répond pas au courrier, Moore. Il répond au téléphone, mais il répond pas au courrier. Ouais. Faudra qu'on reparle tout à l'heure. Ça me fait penser à Arlène Ellison, mais. On reparlera. Ok, allez. Alors, pour les essais, les trades, c'est pas mal. Et je trouve que d'ores et déjà, ça donne une bonne image. Alors, ce que je te propose maintenant, on va remonter le temps. On remonte, comme tu le vois. J'espère que tu le vois bien sur ton écran. J'espère que tu écoutes aussi. On remonte le temps. Et on revient au début. Et alors, au début, le jeune Laurent Casey fait une apparition. Et je crois que c'est la première, hein, sauf erreur de ma part. Ouais. Et Étoile Vive, sous la direction à l'époque de André-François Ruault. Et dans le Étoile Vive numéro 7, on a l'apparition d'un nouvel auteur qui s'appelle Laurent Casey. Qui écrit c'est dirigé par André, mais ce n'était pas lui qui avait acheté le texte, c'était Gilles Dumay parce que. Et André venait de reprendre la collection. Ouais. Je sais pas s'il aurait accepté la nouvelle, André d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Alors c'était un spécial Greg Egan. Ouais. Et donc voilà. Alors qu'est-ce que cette nouvelle, c'était quoi? C'était la première publication professionnelle? Tout court, je pense. Tout court. Ouais. Ah non, il y avait peut-être eu. Peut-être des publications en fanzine ou des choses comme ça. Je crois qu'il y avait eu le texte qu'on a réécrit ensemble sur Dick qui avait été publié dans le fanzine de Jérôme Vincent à la 85e dimension. Mais je ne sais pas si c'est avant ou après. Ouais. Mais bon, voilà, c'est la vraie première. Quoi. Ouais, alors c'est l'époque où on s'est rencontrés aussi. On s'était fait notre petit adage. Parce que t'étais au sommaire toi aussi. Ouais, j'étais au sommaire aussi avec une nouvelle qu'il vaut mieux oublier pour l'instant. Mais en tout cas, alors Sense of Wonder, c'était quoi? C'était une déclaration d'amour à la SF? Comment tu le voyais, cette première nouvelle? Ouais, à la SF et au rock, ouais. Bah, au rock, hein. Comme tu dis, il vaut mieux l'oublier aussi. Je ne l'ai pas reprise dans mon recueil, celle-là, tu vois. Donc, tout est ouais, dit. Mais tu as fait Sense of Wonder 2.0 quand même. Voilà, ouais, mais qui n'avait rien à voir. Ouais, ouais. Il n'avait rien à voir. Ok. Bon, ça, c'était la naissance. Donc, la naissance de l'auteur. Et moi, ça m'émeut toujours de revenir à cette époque. Hein. Le monde était très différent. Alors, sa naissance de l'auteur, donc, qui va petit à petit. Alors, on va avancer. Et puis avec une autre naissance peut-être qui est aussi intéressante, ton premier roman, hein, sauf erreur de ma part, Neurotwisting au mouton électrique. Alors est-ce que tu gardes un bon souvenir de ce premier roman? Qu'est-ce que là aussi c'était peut-être l'étalonnage encore de ton imaginaire de SF hein, en 2006. Raconte-nous un peu la genèse de Neurotwisting. Ouais, bah, tu vois, déjà, on est sur nos romanciens aussi. Hein. L'idée, c'était de faire nos romanciens dans les années 60. Quoi. Et d'ailleurs, à la base, c'était une idée de BD que je devais faire avec Nico Trespalet, qui a fait le guide à l'amour avec moi et qui devait dessiner ça. Voilà, c'est un premier roman. C'est-à-dire que j'ai voulu en mettre trop. Mais j'en ai mis, il y avait plein d'idées, plein de trucs. Ah ouais, ça ressemblait un peu à un fix-up parce que c'était plusieurs histoires différentes. Je pense que j'avais pas le niveau d'écrire un vrai roman, donc j'ai triché en écrivant plusieurs nouvelles reliées en fait thématiquement avec les mêmes personnages. Et voilà, je pense que je l'ai pas rouvert depuis qu'il est sorti, mais ça doit rester fun à lire. J'espère que ça reste fun à lire. C'était sans prétention. C'était vraiment une chronie. Pas hyper sérieuse et pour s'amuser quoi. J'espère que les gens l'ont lu comme ça quoi. Voilà, ouais, une pochade, mais à l'époque c'était quand même vachement une étape très importante pour toi quand même. C'était se dire je suis capable de faire ça quoi. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'avec le recul, alors il est très jouissif, il est toujours disponible en numérique. Ouais, et sur ton site, hein, tu dis sur ton site officiel laurentcasey.fr, tu donnes le lien hein, pour aller le relire et le
et le consulter. Donc, Neurotwisting, ça a quand même compté. Alors, entre Neurotwisting et... Là, je n'ai pas mis grand-chose, tu vois, entre Neurotwisting et Sense of Wonder, il y a eu des nouvelles quand même. Il y a eu plusieurs petites nouvelles que tu as publiées. Ouais, pas mal, ouais. Bah, après, on les retrouve toutes dans mon recueil, en fait. Donc, ouais, après, surtout dans le recueil. Justement, on va aller au recueil. Hein, et je reviendrai ensuite sur Dick. Hein. Donc, voilà le recueil qui a été une date importante. On est en 2012. Hein. Donc, 2012, 6 ans après Neurotwisting, comme un automate, reprogrammé à la mi-temps. Donc, premier recueil de nouvelles chez USF. Alors, avec Sense of Wonder numéro 2 et une jolie préface de Xavier Mauméjean. Tu nous racontes un peu les circonstances de ce recueil hein. Écoute, j'ai proposé à Jérôme, j'avais pas mal de textes et j'ai dit, est-ce que tu veux, je les compile, je mets un ou deux inédits et puis. Et j'ai fait à l'analyse des intros pour chaque texte où j'expliquais d'où ça sortait, d'où ça venait, parce que tout simplement j'adore lire ça chez les autres, donc j'ai dit je vais faire pareil, peut-être que mes lecteurs vont aimer ça aussi. Et voilà, non, c'était, je suis très content de la nouvelle titre, j'étais content de Nuit Noire sur le Froid qui avait été publié dans Galaxy. Il y a vraiment des textes là-dedans dont je suis vraiment très très content. Et super accueil critique, vraiment le peu de gens qui l'a lu vraiment adhéré quoi. Je pense qu'il y a un prérequis, c'est quand même d'être fan de SF et de pop culture quoi. Parce que je tripatouille cette matière. Beaucoup de références. Mais alors c'est même quand il n'y a pas de référence, c'est un état d'esprit, tu vois. Il y a des textes où il n'y a pas de référence, mais tu as besoin d'être imprégné, je pense. Donc voilà, donc les gens à qui c'est vraiment destiné ce genre de texte l'ont aimé. Donc voilà, c'était la cible. Donc une étape importante, c'était la confirmation de ton parcours d'auteur à côté de ton parcours de traducteur et tout ça. Il est disponible en numérique, je ne sais pas sur ActuSF aujourd'hui encore. Ouais, je pense, ouais. Ah, il me semble. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, à quand le recueil suivant quoi, le recueil de nouvelles suivant. Ou est-ce que écoute, j'aimerais bien, mais personne ne va en publier des recueils de nouvelles, donc. Il est quasiment prêt, hein, le deuxième. Pareil, il faudrait que j'écrive un inédit ou deux, mais. Un Sense of Wonder 3.0, peut-être. Ouais, non, mais j'ai de la matière, mais voilà, c'est les recueils de nouvelles ne vendent pas, les recueils de nouvelles de Laurent Cahissi encore moins, donc voilà, personne veut publier ça quoi. Donc, les recueils de nouvelles des auteurs francophones en général c'est plutôt un problème, même anglophones hein, là il y en a très très peu hein. À part Ted Chiang, voilà, il y a très peu de recueils. En tout cas, une étape importante. Alors, on continue à avancer dans ton parcours. Alors, on bascule maintenant sur la trilogie d'Adam Verne. Qui en fait, alors ça c'est chez Rajo Jeunesse. Une trilogie de romans jeunesse infiltrés dans l'œil du lynx et menaces sur le réseau sur une période justement qui suit pile le recueil de nouvelles puisque 2012, 2013 et 2015. Tu les as écrits cette trilogie donc les uns à la suite des autres. Alors raconte-nous un peu pourquoi tu as basculé d'abord, pourquoi basculer dans la littérature jeunesse. Est-ce que c'était des besoins peut-être financiers ou des convictions de ta part? Et raconte-nous un peu la genèse de cette trilogie d'Adam Verne. Raconte un peu. J'avais déjà écrit un roman jeunesse pour ado de fantasy, L'héritier du chaos, qui était une mauvaise expérience. Donc, t'es pas mis hein, dans la frise. non, mais voilà, tu vois, c'est pour ça que je te dis la fantasy, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, mais il a fallu que je m'y frotte pour voir que c'était vraiment pas mon truc. Là, c'est le directeur de collection Guillaume Legault qui m'a proposé. Quand il a monté sa collecte, il est allé voir 6 auteurs. Il leur a demandé de pitcher une idée d'espionnage de thriller pour ado. Et moi, il savait que j'avais écrit un essai sur James Bond et que j'aimais bien l'espionnage. Donc, je lui ai proposé l'histoire d'un hacker. D'un espion hacker adolescent mais en fauteuil roulant, en me disant que la gageure pour moi ça allait être de
de faire des trucs d'action avec un héros en fauteuil roulant, quoi. Et en même temps, de parler du handicap, et de faire d'un héros handicapé un véritable héros, quoi. Et voilà. Et ça marchait suffisamment pour qu'on m'en laisse faire de suite. Donc, c'était super, quoi. Voilà. C'était une super expérience. J'ai appris plein de trucs sur l'écriture. J'ai été invité dans plein de classes. J'ai rencontré plein de gamins qui avaient lu le truc. Donc j'ai rencontré, tu vois, un autre public aussi, et beaucoup de public. Donc c'était vraiment bien, vraiment une chouette expérience. Cette expérience donc jeunesse, ça t'a marqué. Alors évidemment, cette trilogie, elle aurait pu continuer. Donc Adam Verne aurait pu avoir d'autres aventures. Ou... Ouais, je t'avoue que sur le 3, je commençais à sécher un peu. C'était pas voilà. En 2015, on est en 2020, ouais. Ouais, ouais. Je suis hyper content du. Après, la collecte s'est arrêtée, quoi. Mais je sais pas si j'en aurais refait un quatrième. J'ai commencé à arriver au bout du truc. Mmh. Je suis hyper content du 2 parce que le premier, c'était un peu l'échauffement. Et le 2, est vraiment, niveau structure et tout, j'étais vraiment très content. Ouais. Et le 3, j'ai tiré un peu la langue quand même. Donc le 2, le meilleur, à tes yeux. Ouais. J'aurais pas fait de 4, je pense pas. Mais par contre, au niveau de littérature jeunesse, après t'as un peu basculé du coup dans la BD, mais pas eu de envie d'autres expériences en littérature jeunesse, ou alors j'oublie quelque chose peut-être. Non, je n'ai pas enfin si, là j'en ai refait. J'ai un bouquin qui sort avec coécrit avec un pote à la rentrée au Seuil, mais un bouquin pour les 7-8 ans, sous des pseudos. Donc vous ne saurez pas que c'est nous. D'accord. Et alors c'est vraiment c'est des petits romans pour les enfants, et on s'est vraiment éclaté, et c'est assez drôle, voilà. Donc si ça m'intéresse d'écrire pour tous les âges, moi je... Ouais, bien sûr. Là franchement, le truc pour enfants, on s'est en plus, comme on l'a fait à deux, c'était on s'est vraiment éclaté, et je pense que les gamins vont s'éclater, j'espère. Ok, en tout cas, la trilogie d'Adam Verne, elle est toujours dispo, hein, toujours disponible ou pas en numérique, ouais, en papier, non. Numérique, ouais. Bon, maintenant, de toute façon, beaucoup, beaucoup de monde lit en numérique. Après, voilà, c'est dispo sur les trucs d'occasion, sans problème. Ouais. Ok, donc tu vois, on voit bien sur cette frise, hein, comment l'automate démon est juste avant la menace sur le réseau. Je reviendrai en arrière après. Alors maintenant, je viens sur un truc un peu particulier, Alison. C'est un roman, moi, qui me tient à cœur, parce que j'en ai suivi indirectement la genèse, et c'est quelque chose que tu as porté longtemps, Alison. Tu nous racontes un peu l'histoire de Alison, parce que c'était un roman, il me semble, que tu as beaucoup 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 retravaillé, non? Ouais, mais déjà j'ai mis du temps à l'écrire parce que c'était à l'époque où je traduisais vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et j'écrivais 1000 signes ou 2000 signes tous les soirs, mais quand je m'effondrais pas. Et ouais, donc j'ai mis du temps à écrire. Et non, j'ai retravaillé une grosse fois pour une éditrice d'une autre maison d'édition, en fait. Et finalement, sa collègue, enfin son associée, n'en a pas voulu. Ouais. Et puis André m'a dit, ouais, on voudrait lancer une collègue pour les ados aussi. Pour lui, c'était un roman ado. Pas pour moi. Donc il a essayé de le vendre en roman ado, et au final, alors là, c'est le roman adulte pour lequel j'ai eu le plus de retours, quoi. Quand il est sorti, pendant 6 mois, toutes les semaines, j'avais un mail, plusieurs, mais de quarantenaires qui me disaient, ah là là, ça me rappelle mon adolescence. Ah ouais. On écoutait les mêmes choses, et voilà. Ouais. Donc c'est vraiment un bouquin pour les gens de mon âge, je pense, plus que pour les ados. Ouais, c'était le tribut à ton parcours, à tes repères culturels aussi. Moi, c'est comme ça. C'est ça. Dis, hein. D'ailleurs, moi, je le vois pas comme un roman jeunesse non plus. Hein. Mais il y avait des éditeurs jeunesse qui l'avaient lu, qui m'avaient dit non, c'est pas jeunesse. Ou alors, si, mais il faudrait changer toutes les références de musique pour que ça parle aux jeunes. Alors, j'avais dit, alors déjà, j'en vois pas l'intérêt, puis j'en suis incapable. Je sais pas ce qu'écoutent les jeunes. Moi, je ne peux parler que de ce qu'écoutaient mes jeunes, quoi, pas ceux de maintenant. Ouais, c'est un côté, moi je trouve vraiment tribute sur notre histoire et notre jeunesse à nous, en fait. Et donc c'est plutôt pour les quadras, t'as raison. Et du coup, ça me donne envie de te poser la question de la part de la musique dans ton écriture, parce que les références musicales, elles sont omniprésentes quasiment dans tous tes romans et dans toutes tes nouvelles. Quand tu es sur Insta, moi je suis ta page Instagram, j'ai envie de dire plus
trois quarts, si ce n'est deux tiers de tes postes concernent de la musique plutôt que de la littérature au sens strict du terme. Quelle place joue la musique dans ta créativité en tant qu'auteur? Est-ce que par exemple tu écoutes de la musique? Est-ce que tu as des albums qui te donnent des idées de nouvelles ou de romans directement? C'est un point commun que tu as avec Roland Wagner, notre regretté Roland Wagner. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Comment tu as écrit Allison, par exemple, tout le temps en écoutant de la musique à fond? Comment ça se passe, le rapport à la musique? Est-ce que tu bosses en musique, par exemple? Ouais, alors ça dépend de ce que je fais. Quand j'écris, oui. Quand je relis, non, par exemple. J'ai besoin d'être plus concentré. Donc, Allison, oui. Allison, c'est le roman musical. Il y a même une compile qui accompagne le bouquin. Voilà, c'était toutes les titres, c'est pas des titres, mais les têtes de chapitre sont des citations. Alors c'était vraiment le hasard. Hein. Je mettais au hasard des morceaux sur Spotify des années 90 et puis quand j'entendais une citation, je la notais et je la mettais en tête du chapitre que j'étais en train d'écrire, et puis voilà, c'était vraiment. Et souvent ça colle, quoi. Donc ouais, la synchronicité a bien marché là-dessus, quoi. Donc oui, après il y a eu des textes aussi influencés. Nuit noire, sol froid, par exemple, c'est la traduction de Dark was the night, cold was the ground, qui est le titre d'une chanson d'un bluesman du Delta, Blaney Johnson, et qui est devenu le titre chez moi d'une nouvelle sur les vaisseaux générationnels, tu vois. Et j'ai réussi à relier ça par la mythologie. Enfin voilà, pour moi, c'est il y a des histoires comme ça qui sont de la mythologie. Tu vois, au-delà de la musique, parce que la musique, tu peux rien en faire. La littérature, c'est les histoires autour de la musique qui m'importent et sur lesquelles tu peux écrire. Là, je réfléchis à un projet autour de la mort de Charlie Parker, un truc fantastique, quoi. Voilà, j'ai envie de faire ça. Anti-immergent. Forme de novella, ouais. Ouais. Donc, je lis des bios, je joue du sax pour comprendre. Et au passage, que devient Mars Hotel? Ah, c'est mort depuis longtemps. Ah, ouais. Non, mais on le dit, pour ceux qui ne savent pas, c'était ton groupe, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, mais je joue avec un autre groupe. Ce groupe Mars Hotel, hein. De quoi, pardon? Il a existé de quand à quand, le groupe Mars Hotel? Je dirais de 2000 à 2005 ou 2006, quoi, quelque chose comme ça. Ouais. 99. Non, on a fait deux petites démos de quatre titres. J'en ai un. Du coup, je regrette. J'aurais dû prévoir de faire écouter un extrait. Pas envie de reprendre, pas envie de faire à la manière d'un Damasio qui décline lui-même sa bande originale dans Les Furtifs, ou pas envie de recréer une formation pour faire des passerelles. Je joue toujours avec des potes, hein, on fait des concerts, ouais, de temps en temps, mais si, alors j'ai fait avec Aurélien Le Mans, qui est un auteur-acteur qui a lu Comme un automate démarre au courant à la mi-temps, justement, la nouvelle. Et moi, j'ai composé la musique, et c'est dispo sur mon site dans la partie audio si vous voulez écouter ça. Il lit le texte et c'est accompagné de la musique. Oui, c'est vrai, j'ai effectivement vu ça. Ok. Ouais. Donc, Allison, c'était l'amour d'une certaine époque. Et en tout cas, je confirme, ce n'est pas un roman adolescent. En tout cas, pour moi, c'est plutôt sur un parcours. Ok, on continue, ça va? Tu ne fatigues pas? Ouais, non, ça va. Après, il y a des questions difficiles qui arrivent, hein, là, pour l'instant. Alors, je continue un peu dans les nouvelles. Bah, je crois que la nouvelle la plus récente de toi, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, si je ne me trompe pas, elle est dans le Bifrost, donc numéro 94, qui s'appelle donc, qui est un spécial John Campbell, et c'est Les Aventures de Flip Flop. Alors, qu'est-ce que tu as voulu faire avec Les Aventures de Flip Flop? Les nouvelles aventures de Flip Flop. Ah, mais je voulais parler un peu de l'industrie de la BD et de toutes les reprises de personnages, tu vois, Black et Mortimer, ouais. Astérix, etc. Ouais. Et en gros, je parle de la future reprise de Tintin qui ne va pas manquer d'arriver, quoi. Voilà. Ouais. Mais je la prends sur l'angle fantastique, encore une fois. Ouais, c'est un chouette texte. Ce texte-là, ça sera dans ton futur recueil, s'il y en a un Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Celui-là, il serait. Ouais. Peut-être un recueil sur la culture BD, non? Ça serait pas ça le thème? Non, parce que les autres textes sont pas.
pas dans la même tonalité. Non, il y a un texte que j'aime beaucoup qui s'appelle Pont des Sables, qui a été publié dans une anto utopiale. Mmh. Oui, l'anto utopiale numéro en 2012, non? Ouais, je sais plus, mais voilà, je pense que si je faisais un deuxième recueil, ça serait ça le titre et c'est la nouvelle de tête. Et... D'accord. Pour le coup, là, c'est sur les astronautes, les cosmonautes perdus. Et, ouais. Et la légende, tu vois, encore une fois, c'est la mythologie spatiale sur les cosmonautes qui, russes qui, en redescendant dans l'atmosphère, auraient rebondi sur l'atmosphère et seraient perdus dans l'espace. Excellent, la mythologie spatiale. Tiens, ça me fait penser, tu as suivi le lancement de SpaceX. Oui. Ouais, je regarde, et, bien, ouais. Et l'accrochage à la station ISS du module Dragon. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ça te fait triper ou pas, ça? Parce que moi, je t'avoue que ça me fait assez triper, mais je me suis pris dans la gueule plusieurs remarques comme quoi c'était un milliardaire qui s'amusait avec ses sous et qui n'avançait pas grand-chose. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, de SpaceX et de, ça titille ton imaginaire ou pas du tout, du tout? Bah, faut avouer que c'est bluffant de voir la fusée se reposer sur sa barge. L'océan, c'est hallucinant. Après, voilà, ce qui est chiant, c'est que ça, même ça est privatisé, quoi. Alors, même si c'est la NASA qui rack pour l'instant, les premiers mecs à établir des bases lunaires, ça va être Jeff Bezos et l'andouille avec sa boule de pétanque, quoi, tu vois. Donc, ouais, ça c'est un peu triste, quoi. Ouais. Après, puisqu'on parle d'une nouvelle que tu as fait dans le spécial Campbell, est-ce que, on a parlé de fantasy, mais pas trop de space op, est-ce que tu as une appétence pour le space opéra? Est-ce qu'un jour tu pourrais en écrire? Est-ce que cette idée de l'humanité multiplanétaire qu'évoquait Elon Musk dans son interview là, juste après le lancement, est-ce que ça te parle? Je veux dire, tu as traduit Alastair Reynolds, on a bien vu, et tu as relativement apprécié, mais dans ton imaginaire, cette partie-là de la SF, c'est pas quand même trop ton truc, si? Alors, si, j'adore en lire. Je sais pas si je suis capable d'en écrire. Je me suis jamais frotté, comme toi, au vrai Space Hop. Le plus proche que j'ai fait, tu vois, c'était Nuit Noire, Sol Froid, où je reprenais vraiment la thématique du vaisseau générationnel, mais j'ai pas pu m'empêcher de la pervertir, enfin, ouais, et d'y coller d'autres choses. Donc, ouais, j'aimerais bien. J'ai un projet auquel j'ai pas mal de notes là-dessus, mais ce qui me motive plus là-dedans, ça va être plus un truc à la, je vais faire une association débile, mais plus à la Dune Star Wars, si tu veux, que à la Reynolds Peter F. Hamilton, quoi. C'est-à-dire plus pour le souffle de l'aventure que pour, ouais, que pour le frisson scientifique. Presque à la Jack Vance, alors, en somme. En mode la Madalastor et tout ça, c'est-à-dire l'exotisme, l'évasion plutôt que la science, quoi. Ouais, alors moi, c'est plutôt le côté mythologique, tu vois, que D'accord. l'évasion pure et c'est plutôt les histoires, le souffle. Chez Vince, moi, j'arrive pas. J'ai l'impression d'un guide touristique à chaque fois et ça, voilà. C'est pas mon truc. Disney, alors, peut-être. Ouais, ou qu'est-ce qui pourrait se... Ben voilà, moi je te dis des trucs comme Herbert, T'attends fait... justement de Herbert, là, au niveau de l'adaptation de Denis Villeneuve, t'attends beaucoup de choses de ça? Ah non, ça va être catastrophique. Parce qu'après, je te fais parler de Blade Runner, hein, ça approche, hein, prépare-toi. Non, là, les premières images qu'on voit, sont pour moi, c'est catastrophique. Pas vu, moi, j'ai pas vu l'image. On a vu quelques photos et c'est la même esthétique Ikea Marie Kondo que dans Premier Contact. Donc non. Ouais, enfin, pour moi, c'était non, même avant que. Rien ouais. que le nom de Villeneuve là-dessus, c'est. T'aimes pas voilà, Denis quoi. Bon. Donc on te non, pose non, pas, je... pas trop la question de Blade Runner 2049 et de. Ah non, j'ai trouvé ça vraiment pourri, quoi. Allez, alors, justement, tiens, puisqu'on part sur ça. On va voir un vieux copain à nous, à toi surtout en particulier. Là, je vais commencer par ça. Un vieux pote auquel tu as rendu hommage, notamment dans une nouvelle qui s'appelle Hacendaway, pardon. Mm-hmm. En mentionnant Philippe Cadic à Rivière Blanche, ça c'était en 2008, hein, dans une anto dirigée par Richard Combalot. Alors, c'est ton rapport à Phil Dick
qui, que tu connais tellement bien que tu vas l'appeler Phil. On va le voir dans quelques minutes. Alors, on connaît ta passion pour Alan Moore, on connaît ta passion pour Superman. J'ai envie de dire, l'autre élément de la Trinité, c'est Dick. Ouais, c'est même le premier, je pense. C'est le plus important, ouais. C'est lui. Père, le Fils et Saint-Esprit. Je disais, j'avais pas pu faire ma thèse sur Watchmen, mais avant ça, j'avais fait ma maîtrise sur Dick quand même. Donc, tu vois, j'avais quand même réussi à introduire un peu de SF. La maîtrise, c'était en quoi? En littérature Alors, c'est ce qui s'appelle littérature générale et comparée. Ouais. Parce que dès que tu faisais la littérature étrangère, ça passait l'UFR des littératures comparées. Tu te rappelles le titre de ton mémoire sur Dick? Ouais. C'était pour une typologie relationnelle des personnages de science-fiction. Deux points, l'exemple de Philip K. Dick. Ah, j'adore ces titres de mémoire, ça me rappelle mon travail. Bon, et ce mémoire-là, c'était, t'étais déjà passionné de Dick, évidemment. Tu l'as gardé, tu l'as encore, tu t'en sers encore de temps en temps. Derrière toi, ce mémoire. J'en ai fait une version grand public pour le Bifrost 18 sur Spécial Dick. Ouais. Et voilà quoi, donc ça a été publié là-dedans, version pas universitaire quoi. Ouais. Ouais, version exploitée de tout ce qui est ennuyeux, et toutes ces belles conneries quoi. C'est ça, ouais. Et puis beaucoup plus court en fait. Alors Dick, tu connais, j'imagine, depuis tout petit en fait, t'as dû commencer à lire les nouvelles, t'avais quoi, 12 ans, 13 ans, je sais pas. Non, j'ai découvert à l'adolescence aussi, vers, je sais pas, 14, 15, 16 ans, je sais plus exactement. Tu as commencé par quoi? Les nouvelles? Non, j'ai lu Dick parce que, tu sais, j'ai la bibliothèque de ma petite ville et puis je me tapais tout le rayon SF. Mmh. Et j'ai rencontré un mec qui, on devait être au collège, ouais. Mohamed Kiki, un mec du collège, que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et il m'a dit, ouais, alors lui aussi lisait beaucoup de SF, et moi aussi. Et puis là, on se retrouve tous les deux devant le rayon et il me dit, ouais, est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ça? Alors, j'avais entendu parler de Philip K. Dick, et tu sais, il y avait un bouquin, je crois que c'était de Loris Murail, qui s'appelait La science-fiction, où ils avaient demandé à des auteurs de classer, qui était ubique, qui était arrivé en tête, quoi, le meilleur roman de SF de l'histoire. Bon. Et donc, ce gars-là me dit, est-ce que tu as lu celui-là? Je dis, non, mais il paraît qu'il est super, j'ai vu un roman du classement. Je dis, vas-y, lis-le. Et voilà, quoi, je m'en suis pas remis. Quoi. Tu vois, 35 ans après, ou 30 ans après, je m'en suis pas remis. Tu relis encore Dick aujourd'hui ou pas? Écoute, là, je me suis relu toutes les nouvelles là, cet hiver parce que j'ai fait tout l'appareil critique pour la nouvelle intégrale des nouvelles qui va être publiée chez Gallimard là, en octobre. Ouais. Donc voilà, j'ai tout relu. J'ai fait un vie-œuvre, deux préfaces, des dossiers. Génial. Je pensais en avoir fini après ma BD et puis on est venu me rechercher pour tout ça quoi, donc voilà, donc j'en ai relu là. Je suis moins client des nouvelles en plus, moi je préfère les romans et les romans tardifs d'ailleurs. Ouais. Et voilà, mais est-ce que tu as lu les romans en littérature générale? Pas tous. L'homme dont toutes les dents sont... C'est quoi déjà le titre? Ouais, dont toutes les dents sont exactement pareilles. Je ne sais pas comment ils ont traduit. Ouais, ouais. Ouais. Bon, alors... Vas-y. Je t'en prie. Non, mais voilà, y en a des super, il y en a qui sont un peu moins bien, mais Confession d'un barjou est vraiment formidable, par exemple. Il y a des trucs qui ont été recyclés après dans ses romans d'OSF. Mais voilà, pour moi, ses meilleurs romans de littérature générale, ce sont ces derniers romans en fait qui sont vraiment ça quoi. Tu sais que Dick est très publié en Italie, figure-toi. Moi, je sais. Attends, regarde. J'adore, ils ont des magnifiques éditions. Je sais pas si tu lis l'italien, mais si tu lis l'italien, je te ramènerai des bouquins de Dick en italien. Ils ont des superbes éditions. Attends, laisse-moi une seconde, je te montre un truc. Ah ok. Laurent qui est ici va nous montrer quelque chose. Alors, figure-toi, ils disent Codificam. On croit que c'est la même couverture que l'édition américaine que j'ai là, que je vais te montrer aussi. Attends, hein, je vais essayer de pas. Vas-y.
Bien, donc ça, c'est l'édition originale de Ace, quoi. Ouais, Loterie Solaire. Et à côté, l'édition italienne, sauf que tu te rends compte qu'en fait, ils l'ont redessiné, les Italiens. C'est pas du tout la même. Génial. Hein. C'est marrant, hein. Ouais. Et donc, ce bouquin est un cadeau de Mauro, le dessinateur de la BD Phil, en fait, qui l'a vu dans une vitrine, dans une librairie, qui s'est précipité, il l'a acheté et il l'a filé, quoi. Génial. Mmh. Ah, beau truc. Merci de nous montrer ça. Alors, écoute, génial. Et du coup, alors, on parle de Phil parce que donc, moi, j'ai eu la chance de découvrir Phil grâce à toi. Puisque je crois que j'avais été un des tout premiers à le découvrir grâce à notre amitié. Hein. Tu m'avais envoyé en train d'être travaillé, que je n'avais évidemment pas diffusé à quiconque, bien sûr. Et moi, j'ai adoré, quoi. Je veux dire, pour moi, dans ton parcours, Laurent, une des choses qui me reste le plus au niveau du cœur, hein, la plus émouvante, c'est Phil. J'ai adoré cette vie de Philippe K. Dick que tu as scénarisé, que tu as donc donné vie, à laquelle tu as donné vie donc aux côtés de Mauro, dont le nom m'échappe, voilà, Mauro Marchesi, voilà, je voulais pas commettre d'erreur. Alors combien de temps ça vous a pris, ça, et pourquoi une BD, est-ce que tu voulais absolument faire une BD sur la vie de Phil Dick? Est-ce que c'était quoi la genèse du projet, en fait, sur Phil? Ben, en fait, il y a déjà eu plusieurs bios. Il n'y avait absolument pas besoin d'en faire une autre, mais le truc qui me manquait, moi, c'était qu'on n'avait pas d'image de l'endroit, de Dick. On a quelques photos, mais on n'en a pas énormément, tu vois. C'était pas de son vivant, il n'était pas hyper médiatique, et donc on n'a pas beaucoup d'artefacts de lui, de vidéos, on en a très peu. Les images qu'on a de Dick, c'est Blade Runner, on l'associe, tu vois, direct à ça, au film adapté de ses bouquins. Et en fait, pour moi, qui, tu vois, j'avais beaucoup travaillé sur lui, pour moi, c'était pas ça, les images de Dick. C'était la Californie des palmiers, c'était d'abord la zone de la baie à Berkeley et San Francisco, puis après, c'était la Californie du Sud, Disneyland et voilà, quoi, le Orange County. Mm-hmm. Et moi, je voulais montrer ça, je voulais montrer le monde où lui vivait, en fait. Et ce qu'était la vie d'un auteur de SF des années 50 dans la baie de Berkeley. Donc je suis allé là-bas, j'ai fait des photos de ces maisons, des endroits. Tu fais la route entre San Francisco et Pontray Station et t'as l'impression d'être vraiment dans la confession d'un barjou, quoi, parce qu'ils n'arrêtent pas de faire ce trajet dans ce livre. Et voilà, et moi je voulais montrer ça, quoi. Donc après, il a fallu pêcher des infos, interviewer des gens, lire plein de trucs, plein de courriers. Le résultat est à la hauteur de ce que tu espérais, de ce que vous espériez tous les deux. Est-ce que tu estimes avoir abouti dans ce projet, parce qu'on sent quand même, tu es très très proche, hein, je trouve que là, il y a une bienveillance et une familiarité, je trouve, avec Dick qui est rare, c'est-à-dire que tu l'as pas intellectualisé, on le sent, on souffre un peu avec lui, on sent ce côté parfois déstabilisé par rapport au monde extérieur, etc. On le sent très 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 bien, et je trouve que vous avez réussi, je te fais vraiment un compliment du fond du cœur, à le désintellectualiser. Souvent on voit Dick comme un personnage très dans une sorte de dérive rationaliste, etc. Et là, vraiment, il est humain. Il est touchant, moi j'en ai presque eu presque les larmes aux yeux à un moment donné, parce qu'il est perdu à l'intérieur de sa propre interprétation du réel. Je trouve que c'est un bouquin absolument magnifique que vous avez fait. Donc j'espère qu'il se vend bien, d'ailleurs. Et quel a été l'accueil critique, hein? Plutôt bien. Les ventes en France n'ont pas été géniales. Après, c'est un petit éditeur, tu vois, qui n'a pas une force de frappe énorme, mais par contre, il a été traduit dans 5 ou 6 langues. Ouais. Et il a cartonné aux États-Unis, d'après ce qu'on a dit l'éditeur. Donc, génial, donc, voilà. Ça. Ouais. T'as pas été invité avec Mauro là-bas Non, non, j'aimerais bien. Ouais. Par contre, il y a Darryl Gregory qui m'a envoyé une photo il y a peut-être 3-4 mois. Il visitait une expo à la bibliothèque municipale de San Francisco, qui faisait une expo sur les auteurs de SF de la baie.
Et il y en a pas mal, quoi. Ouais. Et y avait deux planches de la BD exposées. Donc il a pris une photo, il me l'a envoyée. Ouais. Alors moi j'en ai une d'image de la BD qui est d'ailleurs tout en orange et blanc. Hein. Je sais pas si bon, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent le savent déjà. Ce choix là, ce choix que vous avez fait de l'orange un peu pastel et blanc est très très beau. Alors j'ai une image qui me tient, qui a été longtemps mon fond d'écran. Figure-toi, mais je vous montrerai à la toute fin de, de l'interview parce que je crains qu'à la suite le partage d'écran ne fasse sauter l'enregistrement, donc je ne voudrais pas qu'on perde de ça. Alors écoute, on a pratiquement fait le tour. Il y avait encore quelque chose de traduction de Roger Zelazny, etc. Mais bon, je pense que c'est pas fondamental. Alors ce que je voudrais, c'est une dernière chose, c'est revenir sur un ovni qui me paraît quand même intéressant au niveau en tout cas. Mystique, maquette, etc. Et puis j'aime bien moi les ovnis. J'aime bien. Alors c'est un truc à part dans ton parcours. En tout cas, moi malheureusement je l'ai pas vu ce bouquin. Je l'ai pas. Ah bon? Je l'ai pas eu entre les mains. Je l'ai pas lu malheureusement. Je l'ai par là, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Inversion des faits. Tu peux nous raconter un petit peu? Alors écoute, un projet graphique. Ouais, je dois l'avoir par là quelque part, mais je sais pas où exactement. C'est en fait une. La copine d'un copain, donc c'est Greg l'illustrateur là de ce projet qui m'a dit ouais j'ai une copine qui veut qui a une petite maison d'édition, tu vois, vraiment pas distribuée mais pour elle-même, elle veut faire un truc à partir d'un même dessin, faire trois histoires, donc de, tu vois, il y a un polar, un truc érotique et un truc de science-fiction. Ouais. Et donc à partir de voilà, c'était le truc, et elle a recueilli et le dessin et les trois histoires dans un même petit bouquin très très beau. C'est presque un objet d'art en fait. C'est ça. Voilà. C'est une bonne expérience ça aussi. Ah bah ouais, c'était chouette, ouais. Et puis bosser avec mon pote Greg en plus, c'est toujours sympa. C'est lui qui a fait la couverture du recueil de nouvelles et d'Alison aussi d'ailleurs. Ouais, Greg Vaison, ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, on avait fait aussi un portfolio dans fiction à l'époque. Donc c'est toujours cool de bosser avec lui, quoi. Ouais, d'accord. Donc ouais, c'était. Alors ça, je crois que ça a été tiré à 50 ou 100 exemplaires. C'est vraiment un collecteur, quoi. Ouais, mais ça fait partie aussi. Voilà, c'est une étape d'un parcours, en tout cas que je connaissais pas. Donc je tombais dessus grâce à, évidemment, grâce à la Noosphère, hein, qui sait tout. Bruno Parra l'avait acheté, ouais. Il avait trouvé ça super, je crois. Et donc merci à Bruno parce que c'est grâce à eux, hein, si j'ai pu monter cette petite timeline sur toi. Alors bah, écoute, on a fait le tour. Alors il n'y a pas tout, hein, évidemment, et je prétends pas à l'exhaustivité. Évidemment, là il y avait les nombreuses vies de James Bond dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure. Donc Neurotwisting et tout ça, la traduction des romans de Philip K. Dick de Kim Stanley Robinson. Donc je reviens au début pour te poser une dernière question et ensuite on pourra éventuellement encore échanger. Alors voilà, derrière Neuromancer, tu vois, il y a la galaxie qui t'attend. Donc qu'est-ce qu'il y a qui arrive? Alors, il y a évidemment la traite de Neuromancer, ça s'est fait. Mm-hmm. Et ça, c'est pas, évidemment au Diable Vauvert. Mais après, qu'est-ce qui vient après dans la timeline de Laurent Kessy? Qu'est-ce qui nous attend? Il y a le roman, le petit roman pour les jeunes, là, voilà, sous pseudo. Ouais. Il y a l'intégrale des nouvelles de Dick. Ouais. Dont tu nous as parlé. Voilà. Pour le coup, j'ai passé énormément de temps aussi l'année dernière là-dessus. Parallèlement au Moore, en fait, j'étais un peu débordé parce que je faisais tout à la fois. Et, voilà, c'est... et puis, il y a un roman policier qui devait sortir en septembre, mais depuis le confinement, il a été repoussé. Donc, il est censé sortir en janvier 2021. Voilà. Okay. Roman policier que j'ai écrit l'année dernière, printemps dernier. D'accord. Donc, ça sortira chez le label Filature, chez Dargo. Qui vient de démarrer en fait, qui font des super beaux bouquins. J'ai vu les bouquins, c'est super chouette. Je suis content du texte. J'ai fait ce que je voulais faire. Ça faisait peut-être 10 ans que ça me trottait dans la tête de faire un polar comme ça, dans ce style. Donc, ouais. Et contrairement à quand j'écris de la SF ou du fantastique, je l'ai écrit sans savoir du tout à qui j'allais pouvoir l'envoyer. Parce que même si je lis beaucoup de polars, je connais personne dans ce milieu, et je, voilà, contrairement à la SF où je connais tout le monde et je sais qui aime quoi et qui est susceptible de publier quoi, là je savais pas du tout, donc je me suis fait plaisir à moi, et il se trouve que ça a plu à plusieurs éditeurs même, puisque plusieurs voulaient le prendre, quoi. Voilà. Cool. Bon, et ouais.
Bah écoute, ça fait déjà pas mal de choses. Alors, il y a des choses malheureusement dont on n'a pas parlé, c'est ma faute. C'était, en partie en tout cas, c'était des bandes dessinées en tant que scénariste. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est pas trop dans la timeline. Je pense à Section Infinie, je pense à Black Line notamment. Tu as des projets là encore de scénarios de BD? Ouais. Ou... ouais, là je viens de commencer une grosse BD qui fera 110 pages pour un nouvel éditeur qui se monte, qui fait plutôt des comics à la française. Donc, je suis avec un dessinateur espagnol, catalan. Et ça va. Alors, non. Ça se passera dans les années 90 et ça sera très. C'est pas Allison, hein, mais ça sera très. Très aventure. Comme je sais les faire, quoi. C'est-à-dire avec des références et des. Pas des univers parallèles, mais enfin des. Des idées, quoi. Il va y avoir des trucs partout et ça du souffle et enfin, c'est le projet, hein. On verra si je vais y arriver, mais ouais, ouais, mais j'attends ça avec impatience. En tout cas, bon, sur tout ton parcours, on n'a pas tout vu, hein, évidemment, Laurent, mais en tout cas, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a eu des, alors je vais jouer le corporate fiction évidemment, mais est-ce que tu dirais qu'il y a des reboots dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des recommencements, des réorientations parfois brusques, peut-être suite à des déceptions, peut-être suite à des déceptions liées à des ventes ou à des choses comme ça. Ou est-ce que tu mettrais plutôt en avant dans ton parcours la continuité, je veux dire l'approfondissement, là. Est-ce que comment tu vois maintenant avec tout le recul, hein, depuis Sense of Wonder, comment tu vois ton parcours, comment tu l'envisages? Non, alors il y a pas eu de reboot, il y a pas eu de. Bah, je pense que si tu veux réussir de toute façon dans cette démarche, je peux pas appeler ça une carrière, mais dans ce travail artistique, il faut rester devant son établi et bosser, quoi. Donc si tu changes d'avis et d'idée, tu vas pas y arriver, quoi. Donc moi depuis le début, c'est surtout que j'ai compris ce que je savais faire, ce que je voulais faire. Là où je m'éclatais, là où voilà quoi, ce que j'étais pas capable de faire aussi. Donc si tu veux, il y a pas des reboots, mais il y a un tronc et des fois il y a des branches et il y en a, tu les prends mais la branche elle va pas bien loin, donc tu reviens sur ton tronc et puis tu en essaies d'autres et puis l'arbre il monte comme ça, quoi. Donc et là il y a plusieurs embranchements qui marchent bien, donc ça fleurit, quoi. Ouais, ouais, ça fleurit. Félicitations et c'est vraiment une joie, hein, je te le dis, en tant qu'ami, au-delà de l'interview, de voir à quel point les floraisons, voilà, existent et sont là dans ton parcours depuis 1999. Alors, encore une question et puis je te montrerai la dernière image au risque de perdre le partage d'écran. Qu'est-ce que tu penses de l'état de la science-fiction aujourd'hui? C'est-à-dire, je dis bien tout support confondu, hein, Laurent, hein, c'est-à-dire la BD, les essais, les maisons d'édition, les nouvelles, voilà. Est-ce que tu penses que la science-fiction d'aujourd'hui, elle est à la hauteur des défis? Est-ce qu'elle se transforme? Est-ce qu'elle est en perte de vitesse? Est-ce qu'elle est vibrionnante? Est-ce qu'elle a jamais été aussi puissante? Ou comment tu vois les choses aujourd'hui, quoi? Ton regard sur le monde de l'imaginaire et de la science-fiction d'aujourd'hui. Alors, j'en lis pas beaucoup de l'actuel, en fait, SF. Donc, j'aurais du mal à juger personnellement de ce qui se fait vraiment. Voilà. Ce que je peux voir, c'est qu'on est en plein, j'ai l'impression, en pleine révolution depuis quelques années. Ça s'est ouvert vachement. Et puis là, j'ai l'impression que là, tout le monde a redécouvert. Là, il y a eu une pandémie. Et, oh, dis donc, la science-fiction en parlait. Hein, c'est fou, dis donc. Et, ouais. Ils peuvent y parler. Oh, ils avaient prévu des trucs. Ben ouais, ouais. Enfin, c'est pas qu'ils prévoient, c'est qu'ils savent lire juste les signes, en fait. C'est tout. C'est ouais. Voilà, les augures sont là. Il faut juste les analyser, quoi. Et donc, je pense que là, il y a peut-être un petit truc à faire, quoi, pour ceux qui se sentent, mais. Ça évolue, quoi. La SF, elle a toujours évolué, donc là elle est dans une période de remise en question sur elle-même aussi, sur un modèle qui était bien établi. Bah, ce qu'avait fait Gibson à l'époque aussi, il avait tout pété, en gros, il avait éclaté la SF à papa, et puis voilà, quoi. C'est ce qui ouais, vas-y. Non, c'est ce qu'il disait dans sa nouvelle, dans Mozart envers miroir.
dans la nouvelle qui s'appelle Le Continuum Gains Back, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il dit il faut arrêter de s'avancer sur une architecture de rêves brisés, c'est-à-dire il faut balayer la SF à papa et voilà, basta, et passer à autre chose, qu'on voyait bien aussi chez KW Jeter, notamment dans voilà, tout à fait. Il y avait cette attitude-là. Ouais, mais donc voilà, là il y a eu des mouvements, il y a eu un mouvement quasi fasciste quoi, qui a essayé de prendre le pas sur les prix. Il y a eu un contrebalancier. Donc ça, tant qu'elle bouge encore, elle est pas morte quoi, tu vois. Et là ça bouge bien, donc. Ouais, ok. Après sur les plans des textes. Je suis assez déçu moi par les gros prix. Quand je lis un prix Hugo ces derniers temps, je trouve ça un peu bof, mais à part la cinquième saison que j'avais bien aimé, mais les trucs assez récents, bon, je suis pas emballé quoi. Après il y a des chouettes trucs là, je viens de mater Devs, la série télé avec Scarland qui est presque Greg Eganian quoi, tu vois, donc ça me fait triper aussi quoi, mais ce qui est bien dans la SF, c'est que, tu vois, dans les années 50, il n'y en avait pas pour tous les goûts. Maintenant, il y en a pour tout le monde et de plus en plus. Et voilà, sur l'état du marché français, anglo-saxon, je ne suis pas capable et d'analyser et de prévoir. Et c'est pas mon boulot. Mais artistiquement, ça bouillonne encore. Donc, j'espère que les lecteurs vont suivre, qu'il y aura assez de monde pour que ça continue, quoi. Mais ce qui est pas gagné, hein. Mais Ouais, bien sûr. Ok. Et toi, quelle est ta vision là-dessus? J'ai un peu la même que la tienne, c'est-à-dire que je trouve que mes connaissances, non pas sont frappées d'obsolescence, mais disons que je connais moins la toute nouvelle génération. J'essaye de me tenir au courant et de lire. Notamment les dernières parutions, entre autres au Bélial, comme Ada Palmer et les choses comme ça, bien sûr. Mais après, je trouve qu'elle n'a jamais été aussi diverse. Je suis d'accord avec toi, je fais la même analyse. Il y en a pour tous les goûts. Elle est moins monolithique qu'avant, elle est moins occidentale qu'avant. Il y a de plus en plus de publications qui viennent d'autres aires culturelles, et ça, c'est très, très bien. Là, le développement de la SF africaine, le développement de la SF, pas russe, parce que ça, on connaissait déjà, mais en tout cas chinoise. Et ça, je trouve ça super. Donc, moi, je trouve qu'elle est loin d'être morte. Elle est en train de se transformer, et peut-être qu'il faut aussi s'adapter à ça, évidemment. Voilà. Mais sans oublier le passé, moi, c'est mon côté historien. Ce côté un peu patrimonial qui donne des repères pour savoir d'où on vient, effectivement. Alors, je voudrais te faire, pas un cadeau, parce que ce n'est pas un cadeau, mais en tout cas, changer mon partage d'écran. Alors, si ça coupe, tant pis, en tout cas, ça coupera peut-être pour l'écran, mais pas le son. Donc, je vais te montrer une image que j'aime beaucoup de Phil, que j'ai gardée en fond d'écran pendant un certain temps et que je trouve super. Voilà, elle est là, je ne sais pas si vous la voyez. Toi, tu dois la voir. Je vais peut-être la mettre en plein écran. Voilà. Ah, c'est le discours de Metz. Ouais. Voilà, c'est le discours de Metz. Et je trouve qu'il est super. Alors voilà, ce que tu lui fais dire, enfin ce qu'il dit, et tu mets en lumière. Tu vois, nous avons l'habitude de penser que tous les changements se déroulent sur l'axe linéaire du temps, en allant du passé au présent puis au futur. Le présent est un accroissement du passé, on s'en distingue clairement. L'avenir, à son tour, constituera un accroissement du présent et s'en différenciera. Qu'il puisse exister un axe temporel orthogonal, un domaine latéral dans lequel ont lieu des changements, des processus se produisant de côté dans le monde réel, c'est presque impossible à imaginer. Et pourtant, c'était la clé du travail de Dick. Moi, j'adore cette image. Voilà. Mais elle est tirée d'une vidéo. Tu as vu cette vidéo la vidéo du discours de Metz, en fait. C'est une jolie réinterprétation. Avec la cravate, avec le côté sérieux, presque. Oui, parce que quand tu vois la vidéo, bon, c'est la salle des fêtes de la mairie de Metz, la salle des mariages, c'est vraiment années 70. Ouais. Mais là encore, tant qu'on n'avait pas vu les images, ce truc était complètement mythifié. Et en même temps, une fois que tu écoutes vraiment son discours là dans la vidéo, c'est hallucinant. C'était 1914. C'est la seule 77, fois. 77, voilà. Ouais. La seule fois où il est venu en France, c'est ça? Ouais. Quasiment. Hein. Voilà. Je voulais finir sur ça. Alors, il y a tous les regrets maintenant qui viennent, mais il va falloir qu'on conclue. Mais
On n'a pas parlé de Harlan Ellison. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, à part que j'adore. On ne s'est pas trompé trop sur la Sainte Trinité keynésienne, hein, c'est-à-dire Alan Moore, Phil Dick, hein, et Grant Morrison. C'était ça, à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux rajouter Ellison, Pynchon, Paul Di Filippo, et voilà. Ouais, oui, plein d'autres, ouais, mais ouais. Ça dépend des moments, de l'humeur. Bon, écoute Laurent, en tout cas, un immense merci pour le temps que tu nous merci as accordé à Nice Fiction. C'était un bonheur de parler avec toi. Et puis, on t'embrasse très fort. On te souhaite plein de bonnes choses pour les projets à venir. Et bah, j'espère qu'on te voit au plus tard aux Utos. Hein. Si elles ont lieu, ouais. Elles ont lieu, j'espère. Croise les doigts. Je t'embrasse et puis je vais écouter la communication. Ouais. À bientôt, mon Laurent. À bientôt. Salut. Ciao. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.